Alors, je viens vous parler d'une expérience en quoi, finalement, puisqu'on parle d'entreprise libérée, d'organisation agile, etc. Il y a énormément de sujets, parce qu'en fait, c'est une histoire qu'on a démarré il y a 3 ans, donc il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à raconter, mais je ne suis pas là pour vous raconter l'histoire. Je suis là pour vous dire dans quelle mesure j'ai l'intime conviction que tout doit partir du dirigeant et pourquoi ça doit partir du dirigeant. Donc on m'a laissé une demi-heure de parole pour ça. Ça a commencé parce que là, ça fait déjà 35 secondes. Et donc, mon prisme ne va pas être de vous dire comment ça fonctionne concrètement par rapport à la hiérarchie, etc. Mais pourquoi, à mon sens, il faut remettre en cause le modèle hiérarchique. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi seul le dirigeant est habilité à le faire, ou quelqu'un qui, dans une organisation, s'il n'est pas le numéro 1, en tout cas, est dans un périmètre où il a toute latitude et toute autonomie pour le faire. Alors, en fait, on parle d'entreprise libérée, on parle de crise, on parle de beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut revenir sur un certain nombre de fondamentaux en disant, mais de quoi parle-t-on quand on parle de toutes ces organisations? Il y a énormément de noms différents, entreprise libérée, entreprise responsabilisante, lean management, bureaucratie, etc. Bon, il y a des tas de débats pour savoir qui est quoi, etc. Mais quel est l'esprit général? Pour moi, l'esprit général, c'est de dire que la hiérarchie en tant que telle atteint des limites et que finalement, la hiérarchie devient contre-productive dans nos sociétés aujourd'hui, dans toute forme d'organisation, que ce soit des entreprises, des associations, des États, la hiérarchie est devenue contre-productive. Et le premier sujet, c'est de se dire, mais pourquoi cette hiérarchie est devenue contre-productive? Ça, je pense que c'est le point de départ. Alors, on va passer un petit peu de temps là-dessus, et pour ça, on va réfléchir à ce que je vous propose, à l'acte de travail. C'est-à-dire que quand je fais un acte de travail, quels sont les différents moments d'un acte de travail? Et on va prendre un acte de travail très simple, qu'on fait chez soi, et un acte manuel, parce que toute notre vie est travail. Alors, dans l'entreprise, souvent, c'est un peu pollué par des considérations politiques, où les choses sont un peu plus abstraites, mais quand je suis chez moi, et qu'un dimanche, j'ai décidé de tailler l'allée du jardin, là, je suis vraiment dans un travail concret, manuel, je suis qu'avec moi-même. Les 4 moments dans l'acte du travail, le premier, c'est je décide de me donner un objectif. C'est-à-dire que ce dimanche, c'est sûr, je vais le faire, je vais tailler l'allée du jardin. Le deuxième moment de l'acte du travail, c'est de choisir les moyens. C'est-à-dire que, a priori, je vais estimer la hauteur de la haie, je veux la rapetisser de combien, est-ce que j'ai besoin d'un escabeau, est-ce que j'ai besoin d'une cisaille, est-ce que j'ai besoin de taille électrique, à essence, etc., etc. Donc je choisis mes moyens. Le troisième moment de l'acte du travail, qui est le plus évident pour tout le monde, parce que le plus immédiat, c'est la mise en œuvre des moyens. La mise en œuvre des moyens et on oublie toujours ça, l'adaptation des moyens et de l'objectif au fur et à mesure que je travaille. C'est-à-dire que quand j'ai choisi l'objectif et les moyens, je suis dans un a priori. Quand je suis confronté en haut de mon escabeau à la réelle hauteur de la haie que je touche la matière, si vous voulez, et bien tout d'un coup, je commence à adapter les moyens. Parce que je m'étais dit, je pensais que la rallonge serait assez longue pour le taillu électrique, et puis en fait, je me rends compte que pas du tout, elle est trop courte, et je suis obligé d'adapter les moyens, d'aller choisir le taillu à essence. Je peux même adapter l'objectif, parce que je voulais vraiment tomber la haie de 50 cm, et puis au bout d'une heure de travail, je me dis 20 cm, c'est bien. Donc là, il y a l'adaptation de l'objectif. Et si vous vous y prêtez attention, en permanence dans votre vie privée, vous adaptez en permanence les moyens et l'objectif quand vous êtes rentré dans le réel. Le dernier moment de l'acte de travail, c'est la contemplation. C'est-à-dire que quand j'ai rangé mon taillet, quand j'ai rangé l'escabeau, quand j'ai passé le râteau, etc., je vais chercher une bière, je me mets devant la haie, je dégaine ma bière, je bascule légèrement le bassin en avant en mettant la main sur les hanches, et je dis, je contemple. Ce qui ne veut pas dire que j'ai bien bossé d'ailleurs, que je peux aussi avoir une contemplation critique. Ma femme peut être là pour dire, tiens, mais là, il y a des vagues. Il n'y a qu'à le faire, vous voyez ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, même si je prends du recul pour améliorer mon travail, je suis obligé d'avoir un temps de contemplation. Et j'attire votre attention sur le fait que cette contemplation dure dans le temps. Évidemment, elle est immédiate après le travail, mais j'ai plaisir à retourner sur les lieux du crime plusieurs fois et à me laisser surprendre par l'œuvre que j'ai produite. Ça veut dire que le lendemain, quand je vais aller travailler le lundi, je vais oublier que j'ai taillé la haie, et quand je vais pousser la partie de mon jardin, je vais tomber sur la haie taillée, je vais dire « Ah, c'est vrai que j'ai taillé la haie du jardin », et je serai encore plus fier. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, on n'y pense pas, mais vous savez, quand on, en philosophie du travail, quand on essaye d'expliquer l'acte de travail, on distingue dans l'analyse des choses qui se font de façon complètement fondue, parce qu'on n'y pense pas à chaque fois qu'on fait. Et pourtant, si vous êtes attentif, à chaque fois que vous posez un acte dans votre vie privée, professionnelle, etc., à chaque fois que vous vous projetez, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez un objectif, systématiquement, vous avez ces 4 moments. C'est-à-dire que j'ai l'objectif, je sais ce que je veux faire, j'ai les moyens, je les mets en œuvre, je les adapte, je contemple. Et évidemment, on comprend bien que c'est quelque chose qui est un bloc intègre, c'est-à-dire que je ne peux pas diviser. Ça paraîtrait très bizarre que quelqu'un ait choisi l'objectif pour moi, qu'il ait choisi les moyens, et que moi, je fasse juste la mise en œuvre.
par exemple, quand je fais un tennis avec des copains, ça paraît très très bizarre que le copain me dise j'ai décidé qu'on va jouer au tennis, donc ça sera dimanche à 14h à tel club, et que quand j'arrive, le gars me dise tiens, voilà ta raquette. Bah, si on joue au tennis, on choisit ensemble. Et puis si c'est ma raquette, c'est moi qui l'ai choisi. Et puis le gars m'a dit aujourd'hui tu dois jouer service volé. Bah, si mon jeu c'est fond de court lifté, pourquoi je ferais service volé? C'est bizarre, hein? Et pourtant, dans l'entreprise, c'est ce qui se passe. Entreprise, association, État, etc. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, mais nous avons hérité d'une organisation du travail, alors on ne sait pas pourquoi, on l'explique historiquement, etc. Mais finalement, on hérite d'une organisation du travail où la hiérarchie par nature ne respecte pas ces quatre moments du travail. C'est mathématique, c'est comme ça. Dans la hiérarchie, je ne choisis pas mes objectifs. Si je suis bien né, à la limite, je suis en position d'en donner aux autres. Ce qui est plus agréable. Mais ça veut dire que moi-même, je reçois des objectifs que je dois retranscrire à d'autres. Mais je ne choisis pas mes objectifs. Dans la hiérarchie, je ne choisis pas mes moyens. C'est-à-dire que je suis recruté dans une boîte, on me dit tu fais du marketing, ou si tu es opérateur industriel, tu fais des gélules, ou je ne sais pas quoi, et on me dit tu vas travailler là, telle machine et telle personne. Je ne mets pas les personnes au rang de moyens, mais dans la hiérarchie, je ne choisis pas non plus mes collaborateurs. Donc des gens avec qui je passe le plus de temps, beaucoup plus qu'avec ma famille, par exemple, je ne les choisis pas. Des gens à qui je dois collaborer, hein, je ne les choisis pas. Est-ce que j'exécute les moyens dans la hiérarchie? Oui, ça c'est évident, parce qu'en fait, c'est ma force de travail. Je gagne un salaire parce que j'exécute un certain nombre de moyens. Et si je les mets correctement en œuvre, à partir de là, eh ben, tout va bien. Est-ce que je peux adapter les moyens? Compliqué. Possible, mais compliqué. Disons que je me mets en danger. Parce que quand je commence à dire, j'arrive pas à produire, mais c'est la machine qui déconne. Les mauvais ouvriers ont les mauvais outils, enfin, etc. Je commence à me mettre en danger. Est-ce que je peux adapter l'objectif? On est d'accord. Hein? Moi, dans une autre vie, je dirigeais des réseaux de vente. Des vendeurs qui vous disent « Ouais, mais c'est parce que l'objectif est trop haut. » Vous lui dites « Écoute, on va discuter de l'objectif dans mon bureau et puis de ton avenir aussi. » Vous voyez ce que je veux dire? Immédiatement. Alors que souvent, on a des objectifs débiles dans l'organisation. Hein? On est bien d'accord. Hein? On reviendra après pourquoi les objectifs sont souvent débiles dans les organisations. Voilà. Est-ce que je peux contempler mon œuvre dans la hiérarchie? Évidemment, je vois ce que je fais. C'est juste une évidence. Mais est-ce que je suis capable de rattacher ce que j'ai fait à un bien commun? C'est-à-dire le coup classique, je sais que j'ai taillé une pierre, mais est-ce que c'était pour une cathédrale, une route ou un pavillon de banlieue? Souvent, je ne le sais pas. Parce que dans la hiérarchie, l'information est cloisonnée. C'est-à-dire qu'il y a le club des sachants, un codir. Après, il y a des middle managers qui en savent un peu moins, parce que quand même pas trop exagérer. Voilà. Puis peut-être il y a encore des sous-middle managers. Puis après, il y a la base qui sait 10% des choses, et évidemment avec 3 semaines de retard, puisqu'il est bien connu que la base n'a pas de cerveau. Donc... vous voyez, je ne suis pas capable de dire, c'est les temps modernes, vous savez, je sais que je visse un boulon, je visse des boulons toute la journée, mais finalement, à quoi sert ce boulon, je ne sais pas. Voilà, alors je voulais d'abord prendre ces 10 premières minutes pour attirer votre attention sur ce paradoxe qui fait que nous acceptons dans l'organisation du travail classique, héritée de la révolution industrielle, des choses que nous n'accepterions pas dans notre vie privée. C'est très bizarre, hein? Parce que dans ma vie privée, je n'accepterai pas en permanence qu'on découple le choix de l'objectif du choix des moyens, de la mise en œuvre et de l'adaptation des moyens, de la contemplation de l'œuvre. Je n'accepterai pas ça. Sauf des cas très précis. Quand par exemple vous allez faire des courses, vous pouvez être dans un schéma où on vous robotise en disant tu appliques la liste. Aucune initiative, règle numéro 1. Mais ceci dit, même quand on a dit ça, une fois que je connais la règle, c'est quand même moi qui vais m'adapter en disant je vais faire quel ordre de rayon, machin, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais choisir comme marque, etc. Même là-dedans, je retrouve une certaine autonomie. C'est-à-dire que je n'accepterai pas de faire les courses en disant toi, ton job, c'est juste de pousser le caddie. Tu oublies aux ordres. Vous voyez, à un moment, j'ai besoin de retourner avec ça. Et bien, dans l'entreprise, bizarrement, on n'y arrive pas. Alors, en quoi ça pose un problème, puisque notre thème aujourd'hui, c'est les organisations agiles? Ce qu'on pourrait dire, finalement, les boîtes quand même fonctionnent, elles grandissent, elles font de la croissance, etc., etc. Et néanmoins, on voit bien qu'il y a une certaine forme de mal-être. Donc en quoi ça pose un problème? Bon, pour moi, mais je vous donne mon témoignage, c'est pas mon analyse, hein, c'est juste mon ressenti. La première chose, c'est que je suis persuadé que la crise que nous vivons aujourd'hui est profondément une crise de sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas durablement renier la dimension éthique d'une personne qui consiste à dire que toute personne est faite pour être libre et responsable, c'est-à-dire qu'elle est faite pour se donner des objectifs et elle est faite pour les réaliser avec un niveau d'autonomie minimum. Si vous allez contre ça, vous allez contre le fonctionnement d'une personne.
On est très frappé aujourd'hui de voir depuis 10, 15, 20 ans tous ces phénomènes de burn-out, parce que dans les 30 Glorieuses, on disait « Ah, ben, en gros, l'école bleue, ils n'ont pas de chance parce qu'ils font des boulots pas intéressants, donc c'est normal qu'il y ait des difficultés au travail, ou les syndicats, etc. Mais l'école blanche, tout va bien parce qu'ils font des trucs intéressants. » C'était un peu l'image d'Épinal qu'on avait. Puis aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de cols blancs qui aujourd'hui sont en burn-out, ont des problèmes, etc. Et travailler durablement dans une organisation dont je ne comprends pas le sens, pour lequel je n'ai pas les objectifs, est un problème. Et à la fin, ça se traduit par des tas de choses comme le burn-out, etc. Il y a une crise de sens profond. Le sujet, ce n'est pas que gagner sa paye à la fin du mois, c'est de savoir à quoi je travaille. Ça, c'est la première chose. Et je suis persuadé que la crise que nous traversons aujourd'hui est d'abord une crise éthique, parce que c'est une crise de perte de sens. C'est une crise où on n'arrive pas à renouer avec le fonctionnement d'un être humain. Alors, ça, c'est macro. Maintenant, il y a du micro qui est beaucoup plus immédiat et beaucoup plus évident. Le problème, en fait, de l'organisation hiérarchique, c'est que quand vous rentrez dans un système comme ça, vous prenez arithmétiquement les mauvaises décisions. Parce que le fait de fragmenter fait que la personne qui fait n'est pas la personne qui prend la décision. Je vais le redire différemment. Pour être compétent, on a besoin de faire. La seule façon d'être compétent et d'acquérir une compétence, c'est l'expérience directe d'un sujet. Je peux apprendre à jouer au tennis en jouant au tennis. Je peux me payer un coach, je peux regarder des vidéos sur YouTube, je peux discuter avec un très bon tennisman qui va m'expliquer des trucs et astuces. Tant que je ne suis pas sur le terrain, que je n'ai pas pris une raquette et que je n'ai pas essayé de faire un service, je ne sais pas jouer au tennis. On est d'accord ? Donc l'expérience, elle est source de compétences. Je n'apprends qu'en faisant. Ce qu'on voit bien, hein, quand on parle de l'assimilation, vous savez que, par exemple, ce que je suis en train de vous dire sous la forme d'un discours descendant, sans interaction et sans, comment dire, question, vous allez en retenir 10%. Voilà. Si jamais on avait réfléchi ensemble pendant une heure sur les limites de la hiérarchie, vous auriez retenu 90%, parce que vous seriez approprié le sujet. C'est pas une critique sur l'organisation, hein, c'est pas du tout le truc, mais c'est simplement pour vous dire que, souvent, dans les organisations, on va essayer de convaincre les gens, de leur faire des grands discours, pour les motiver, etc., etc., et de l'eau sur les plumes d'un canard. Vous êtes d'accord ? Donc ça veut dire que le sujet, c'est que j'acquiers ma compétence en faisant. C'est juste une évidence. Et c'est une évidence qu'il ne faut pas oublier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la hiérarchie ? Ce qui se passe dans la hiérarchie, c'est que vous avez un chef qui décide, et comme le chef, c'est quand même un chef, c'est pas celui qui fait. Il paraît que c'est lui qui fait la synthèse, c'est lui qui prend les décisions, etc. Je prends l'univers paradigmatique et classique d'un responsable d'atelier, d'un contremaître, d'un middle manager, vous l'appelez comme vous voulez, dans une usine, qui généralement est dans un bureau derrière une baie vitrée, devant lui les gens produisent, et puis quand il y a un problème sur la machine, les gens viennent frapper au bureau, toc toc toc, bonjour, chef, la machine est en panne, est-ce qu'on peut aller voir le service maintenance ? Et le chef dit, montre-moi la pièce en panne. Et on lui donne la pièce en panne. Oui, elle est en panne. Oui, tu peux aller voir la maintenance. À quoi sert le chef ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si c'est tout bête, hein, mais si j'ai besoin d'un nouveau stylo rouge, pourquoi je demanderais l'autorisation à quelqu'un ? Si j'ai besoin d'un stylo rouge, ben, je prends un stylo rouge. Si je veux inviter quelqu'un à déjeuner, pourquoi je dois faire signer ma note de frais en 3 exemplaires ? À quoi sert toutes ces strates qui, à chaque fois que j'ai une idée, me donnent l'autorisation de faire ou de ne pas faire ? Mais ça, vous pouvez le regarder à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que si certains d'entre vous, moi c'est mon cas, ont des expériences par exemple de dirigeants salariés, où vous êtes patron d'une business unit, ou d'un pôle, enfin, peu importe, et puis il y a des gens qui ont fait de la stratégie, qui viennent vous expliquer la stratégie. L'expérience commune, c'est que quand généralement on a fait la stratégie par exemple, moi j'étais dans l'industrie pharmaceutique, et quand des mecs à New York ont réfléchi à la stratégie de ce qu'il fallait faire comme visite médicale en France, vous avez juste envie de leur dire, mais tu m'appelles avant de décider ce que... Moi, je vais te dire comment ça marche, en fait, dans la vraie vie. Mais non, il y a des gens qui ont décidé pour vous. Ils ne sont pas plus bêtes que moi, mais ils sont coupés de mon expérience. Donc, ils prennent des décisions à ma place. Quand le gouvernement légifère, on a envie de dire de temps en temps, mais venez nous voir pour voir dans la vraie vie ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Au-delà de vos conseillers, à l'Élysée, machin, etc. Vous venez voir ce que c'est que la vraie vie. Et c'est, tout ça, on le subit, en fait, en permanence. Et ça, on ne l'accepte pas. Donc, ça veut dire que le sujet, c'est que dans la hiérarchie, à partir du moment où je suis obligé d'aller demander l'autorisation pour avoir un moyen, quelqu'un va prendre la décision pour moi alors qu'il n'est pas confronté au sujet. Un codir, un responsable d'usine, un directeur marketing, etc. Et comment voulez-vous qu'un responsable de prod et un responsable de maintenance prennent les bonnes décisions d'organisation à partir du moment où ils ne sont pas derrière la machine à la faire tourner ? C'est impossible.
Pourtant, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe du coup, et ça nous on le voit dans notre entreprise, enfin, c'est très émouvant de voir des gens qui se révèlent dans ces cas-là, c'est que du coup, bah, comme on est dans la hiérarchie, on n'en pense pas moins, donc on dit bah, je vais m'adapter, parce que je ne veux pas me mettre en danger. À la machine à café, ça y va, en disant ils ont changé cette machine, alors que c'est celle-là qu'il fallait changer, celle-là elle était réparable, mais c'est pas nous qui avons décidé, etc. C'est toujours la même chose. Et puis après, bah, on va chercher ailleurs des échappatoires. Puisque comme tout être humain est libre et responsable, ce que je ne peux pas mettre en œuvre dans l'entreprise, eh ben je le fais ailleurs. Et puis c'est là que quand on apprend à connaître les gens, on est toujours surpris de découvrir que quelqu'un qui était supposé ne pas avoir de cerveau a construit sa maison de pied en cap tout seul. Tout. Les fondations, la plomberie, l'électricité, enfin un truc magique quoi. Qu'un tel est adjoint au maire, qu'un tel est entraîneur de l'équipe de basket locale, etc. Et on se dit, lui, elle, et tout simplement parce qu'ils sont dans un environnement où ils arrivent à refusionner les quatre moments de l'acte du travail. Voilà, donc... Si vous voulez, le point de départ, c'est celui-là, c'est de se dire qu'en fait, la hiérarchie ne rend pas les organisations agiles, parce qu'elle ne respecte pas ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire c'est celui qui est confronté au problème qui est à même de mieux régler le problème. Pas parce qu'il est plus intelligent que l'autre, mais parce que l'expérience directe qu'il a du problème le rend plus compétent. Et le sujet, c'est à partir du moment où une hiérarchie décale le niveau de décision arithmétiquement, parce que le problème est remonté à quelqu'un qui va le traiter pour moi, c'est le syndrome de « je fais défiler tout le monde devant un codir, le codir critique et prend la décision », le syndrome de « je construis la stratégie mais je ne fais pas appel aux gens qui sont sur le terrain et après j'explique la stratégie », et nous sommes dans des paradigmes où en fait nous construisons des stratégies a priori, sur la base d'a priori, en allant se mettre au vert en tant que séminaire de direction, ensuite on réfléchit aux objectifs et on passe toute notre énergie à convaincre les personnes qu'elles ont des bons objectifs, ensuite on met des indicateurs pour suivre la réalisation des objectifs. L'ACU nous explique ensuite que l'écart par rapport aux indicateurs nous permet de redéfinir la stratégie et nous rentrons dans une construction de l'esprit a priori qui ne s'est jamais confrontée au réel, qui est une magnifique construction, usine à gaz, source de démotivation pour les personnes, et tout devient indicateur, tout devient a priori. Et tout d'un coup, toute l'organisation bascule pour donner raison à cette construction. Il y a 18 mois, j'avais dit que mon budget c'est celui-là, donc je mets toute mon énergie à montrer que j'ai pas triché. Donc même si c'est complètement débile, eh ben, je vais faire converger la réalité à mon budget parce que c'est ce qu'on attend de moi. L'indicateur doit être à 100%, je vais faire ce qu'il faut pour être à 100%. Parce que j'obéis en permanence à ce qu'on attend de moi a priori. Je crée une espèce de monde parallèle. Quand vous regardez des cartes de processus de l'assurance qualité, par exemple, tout ça c'est lié. C'est-à-dire, je construis un monde et je mets toute mon énergie à faire en sorte que la réalité converge vers ce monde. Donc je suis dans une idéologie. Je ne parle plus de la personne et je ne parle pas de la réalité, je parle de l'idéologie qui est construite arithmétiquement par tous ces systèmes-là. Vous voyez, un exemple concret, vous mettez un indicateur sur le taux d'expédition et vous vous dites je veux que toutes les expéditions partent à l'heure, ce qui est plutôt louable, parce qu'on préfère livrer son client à l'heure. Et puis vous dites je veux 100% sur cet indicateur, vous commencez à mettre une rémunération variable, etc. Et puis un jour, vous vous rendez compte que ce client-là, je ne sais pas pourquoi, il a 10 lignes de commande. Il y en a 6 qui partent le 8 du mois, et puis il y en a 7 qui partent le lendemain. Vous ne savez pas pourquoi, ça a été saisi comme ça sur le carnet de commandes. Le bon sens le plus élémentaire vous commande de dire bah, « je vais regrouper les choses et je ferai tout partir le deuxième jour » parce qu'en fait, vous savez que ça n'a pas d'incidence sur les livraisons du client, parce que le client, de toute façon, il y a 10 jours de camion, enfin peu importe. Si vous faites ça, vous créez pas un biais sur l'indicateur. C'est-à-dire que pendant un jour, vous avez été en retard sur 5 lignes de commandes. Mais si tout est indicateur, vous dites « bon, moi je m'en fous, hein. » Je paye deux fois le prix du camion, mais au moins j'ai respecté mon indicateur. Alors que normalement, la personne, si elle était chez elle, ne ferait jamais ça. Donc elle le fait, et elle dit, ils sont vraiment trop cons. Hein. Si ça leur fait plaisir, on va faire tout ça. Vous voyez, il y a des exemples comme ça, il y en a des centaines dans les organisations. Et je voulais simplement insister sur ce point, c'est que le point de départ, tous les problèmes commencent quand la personne qui fait n'est pas la personne qui prend la décision. Et cette situation est induite mécaniquement par la hiérarchie. La hiérarchie, ce n'est pas un complot de gens pervers qui ont décidé d'embêter les gens. C'est simplement que mécaniquement, il est impossible de rendre les gens intelligents à partir du moment où ils ne peuvent pas régler directement le problème. Et c'est ça le sujet des organisations agiles, après on les appelle comme on veut. C'est comment on arrive à renouer avec la dimension libre et responsable des personnes, à renouer avec la confiance dans la personne, et à renouer avec ce point élémentaire de bon sens qui consiste à dire, puisque c'est toi qui fais, c'est toi qui fais. C'est toi qui es en position d'apprentissage. Alors maintenant, quel est le rôle du dirigeant dans tout ça ? Alors, le rôle du dirigeant, il est très simple. C'est que dans la hiérarchie, vous avez des jeux de pouvoir, et souvent on existe par le pouvoir.
C'est-à-dire que les pauvres managers, et moi j'en ai été un, hein, et puis moi j'étais un. Tout ce que je vous décris, je l'ai animé moi-même, hein, je tiens bien à préciser, c'est-à-dire que je n'ai pas toujours eu. J'ai dit que j'étais visionnaire, c'est gentil, mais en fait, visionnaire à retard, parce que ça j'en ai pris conscience au coup de la quarantaine, donc de 23 à 40. J'ai fait exactement ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire que j'étais patron de BU dans des grands labos, après j'ai été président de PME, enfin je le suis toujours, mais ce que je veux dire, je passais mon temps à faire des codires, des objectifs, l'analyse des cas, tout ça je l'ai fait, hein, je ne suis pas en train de dire, vous avez rien compris, j'ai tout compris. Simplement, à un moment, j'ai réalisé que ça ne pouvait pas fonctionner. Et on réalise aussi que dans la hiérarchie, vous avez un jeu de pouvoir, c'est-à-dire que ces pauvres middle managers sont élevés dans le paradigme que pour exister, il faut commander. Pour exister, il faut contrôler. Comme j'ai un diplôme, je vais t'expliquer la vie. Et on se retrouve dans ces schémas magnifiques. Je vois, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple. Tiens, vous prenez un consultant HEC de 22 ans qui travaille au Boston Consulting Group, donc qui, dans les faits, payait cher à faire des PowerPoint. On est d'accord? Et le mec, il vient vous expliquer votre stratégie. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pas méchant, ce pauvre consultant BCG. Sauf qu'il ne connaît pas de votre secteur. Il a 22 ans. Il se rase tous les 3 jours parce qu'il est toujours à peu près un verre encore, etc. En revanche, il a une belle cravate, il a un diplôme. Dit la stratégie, ça fonctionne comme ça. Il applique des process group. Fournisseur de pensée unique cher. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas méchant, encore une fois, sauf qu'il est complètement incompétent. Pourquoi? Il ne connaît pas ma filière. Comment il peut m'expliquer ma stratégie? Moi, je commence à comprendre ma stratégie, c'est 15 ans que je suis dans le métier. Bon, oui, un peu d'humilité, quoi. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Mais le gars, il dit, comme j'ai fait HEC, je gagne temps, etc. Et on se retrouve dans ces paradoxes délicieusement géniaux, où un jeune ingénieur, aussi brillant soit-il, va commencer à commander une équipe de 50 gars qui font le métier depuis 20 ans et à leur expliquer la vie. Mais il pense qu'il est payé pour ça. Parce qu'il a fait des études pour ça, il est fait pour ça. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que quand on parle de ça, on parle de jeu de pouvoir. C'est-à-dire que quand vous demandez à un manager comment il définit son job, c'est là que les problèmes commencent. Parce que la plupart du temps, on va commencer, alors quand je suis numéro 2 ou numéro 3, voilà, le mal commence. C'est-à-dire que vous regardez le management ou n'importe quel truc, quand on vous dit telle boîte a refondé son codir ou je sais pas quoi, et puis on commence à vous mettre le CV de mecs de 60 ans en vous précisant les études qu'ils ont faites, un tel X, un tel HEC, le mec il a 60 ans, c'est bon. On s'en fout de savoir s'il a fait un stage chez Arthur Andersen ou chez Procter & Gamble, mais c'est fini, ça fait 40 ans maintenant. Et bien on dit, puis lui il fait quoi? Lui il est numéro 2, et lui il est numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'un numéro 2? Parce que plombier, je comprends, boulanger, je comprends, mais numéro 2, je comprends pas. Quand vous voyez un reportage dans le monde de l'hôpital, infirmière, je comprends, gastro-entérologue, je comprends, cadre hospitalier, ah, je comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, quand vous êtes dans un dîner ou quoi que ce soit, quand on vous demande votre job, vous répondez toujours par le titre, je suis responsable de quelque chose, etc. Et en fait, bah, par exemple, quand on me demande ce que je fais, si je dis je suis dirigeant de PME, 99% du temps, la première question, c'est combien de personnes? Quel chiffre d'affaires? On veut savoir combien je pèse. Est-ce qu'on est en croissance? T'as des syndicats, c'est la crise, ou ça ne doit pas être facile, etc., etc. On veut savoir ce que je représente politiquement. Mais souvent, quand on a fini toutes ces questions, les gens ne vous posent même pas la question du métier de la boîte. C'est marrant, hein? Ou alors ça vient après. Parce que, en fait, moi, quand je suis en face de quelqu'un, je veux savoir ce qu'il fait, qui il est. Et quand à des managers, vous leur dites, bah, écoute, en fait, tu existais parce que tu commandes 50 personnes, tu as un budget de 10 millions, tu es numéro 2, tu vas passer dans un codir, tu arrives à la strat où tu as une voiture de fonction et un bureau avec 3 plantes vertes et 2 fenêtres, ou un bureau tout seul, etc. Tout ça, c'est des signes extérieurs de reconnaissance, mais qui sont déconnectés de mon travail. C'est-à-dire, en fait, que plus je progresse dans cette hiérarchie, plus je produis du travail invisible. C'est-à-dire, je suis débordé, et force est de constater que je sois là ou pas là, ça ne change pas grand-chose à l'entreprise. Voir, quand je ne suis pas là, les gens se réjouissent. Alors moi, quand je discute avec des collègues d'études, qui travaillent dans les très grands groupes, technostructures, etc., je fais toujours le test de dire, quand ils changent de patron, comment ça se passe. Et universellement, la réponse, c'est ça va ou ça va pas. Quand ça va, c'est ça va, il me fout la paix. Quand ça va pas, c'est il me casse les pieds, il me demande toujours ce que j'ai fait. C'est-à-dire que le patron, dans la structure hiérarchique pyramidale, malheureusement encore, qui est la norme dominante, est la personne qui va faire des réunions pour m'expliquer le boulot, et puis après, moi, il faut que j'aille bosser. Et tout le monde dans les organisations vous dira, bon, j'ai un boulot de 7 à 9, parce que de 7 à 9, je peux produire tranquille. Ensuite, réunion de 9h à 17h. Et puis après, je reproduis de 17h à 19h. Vous voyez, c'est une personne est méchant en faisant tout ça. Et donc, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que maintenant, allez expliquer à un hiérarque qui, avec la meilleure volonté du monde, et je le dis très humblement, parce que j'ai été ça,
fait tout son boulot parce qu'il fait plein de réunions, il anime, il fait des tableaux de bord, il change la couleur des indicateurs, il s'est dit tiens, quand il descend, je le mets en rouge, il trouve la fonction Excel, il est content, il échange avec son collègue à côté, il fait des tableaux de tickets resto, tout ça. Et il est persuadé que le monde tourne grâce à tout ça. Alors qu'en fait, il empêche le monde de tourner. Eh bien, allez lui dire à celui-là, maintenant, on va supprimer la hiérarchie. Impossible. Parce que toutes les représentations du manager sont coupées, et toutes les représentations font que je ne peux pas accepter le paradigme selon lequel, en fait, je pourrais utiliser toute ma compétence à mieux faire. Parce que ce n'est pas des gens incompétents, hein. C'est souvent des gens très compétents. Simplement, la compétence est détournée vers des actes politiques, d'animation d'organisation, elle n'est plus tournée vers le faire. Et donc, il faut les remettre sur le faire. Et bien, si vous n'avez pas un dirigeant qui un jour dit ben, « Maintenant, ça suffit, et on va arrêter la hiérarchie continue. » Et c'est là le rôle du dirigeant. Pardon. C'est que le dirigeant, à un moment, dit « Si je veux une organisation qui favorise l'autonomie, je la décrète. » Et tout le paradoxe de toutes ces démarches, pour moi, c'est le point commun, c'est que pour asseoir l'autonomie dans l'organisation du travail, l'acte fondateur est un acte de pouvoir. C'est-à-dire un acte de pouvoir totalement autocratique. C'est-à-dire qu'à un moment dans mon entreprise, en 2014, ouais, en 2014, on est qu'en 2016, n'est-ce pas ? Ouais, 2014 alors, ou 2013, non, oui, 2014, février 2014, j'ai dit, je ne crois pas en la hiérarchie, je pense que l'essentiel de la masse salariale est affecté à des tâches qui non seulement ne servent à rien, mais en plus empêchent les autres de travailler correctement, donc j'ai décidé qu'on supprimerait la hiérarchie. Alors après, comment on s'organise, c'est pas le sujet des interventions aujourd'hui. Mais l'idée était de dire que ce jour-là, j'ai vu tous les managers et je leur ai dit, on se trompe. Et donc, je décide, sans accompagnement, sans vous demander votre avis, de façon totalement autocratique, avec le pouvoir de dirigeant actionnaire que je suis, que maintenant, la nouvelle organisation, ce sera celle-là. Bon, mais. Donc ça veut dire qu'il n'y a que le dirigeant qui peut prendre ça. Il n'y a que le dirigeant qui peut assumer ça. Deuxième raison pour laquelle le dirigeant est absolument important, c'est que quand vous avez fait ça, il y a une petite vague de turbulence qui s'ensuit, qui dure quoi, un an ou deux ans, puis après vous êtes toujours en chemin. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où c'est le bazar. Ben si, il n'y a que le dirigeant qui peut assumer. Parce que c'est sa décision. Et le problème, c'est que là où vous perdez les gens, c'est que quand vous dites j'ai un plan, j'ai une idée, que greffent les personnes sur vous en tant que dirigeant dans le paradigme classique ? Ben, si tu as une idée, tu as un plan pour y arriver. Tu vas nous guider, il y a des étapes, ça va être super, on va aller là, tu nous as expliqué que tu voulais l'autonomie, etc. Alors c'est quoi l'étape 1, l'étape 2 ? Puis les gens ils vous disaient qu'est-ce qui se passe s'il y a ça, et qu'est-ce qui se passe s'il y a ça, etc. Et vous en tant que dirigeant, vous dites, bah non, j'ai pas de plan. En revanche, j'ai une idée. Hein. Mais le plan, c'est qu'on va le construire ensemble. Et les étapes, c'est qu'on découvrira la deuxième quand on aura fait la première. Donc la première, on vient de la franchir, c'est qu'il n'y a plus de hiérarchie. Maintenant, comment on fait ? Ben on va voir. Et là, les gens vous disent, mais t'es fou ! C'est pas possible, tu peux pas tout casser comme ça et continuer comme ça. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rôle du dirigeant est d'avoir cette constance en disant « je sais pourquoi je le fais, je sais l'intention que j'ai, je sais pas comment on va le faire, mais je me raccroche à ce phare qui est que si on fait confiance à la personne, si on respecte le fonctionnement d'un être humain, ça doit bien se passer à la fin. Il n'y a pas de raison. » Malgré les petites nuits blanches qu'on attend en temps. Non, qu'est-ce que je fais ? Parfois, c'est le bazar. Et vous voyez, le dirigeant, il a ce double rôle de dire, il prend la décision fondatrice, qui n'est pas une décision consensuelle. J'insiste énormément là-dessus. C'est-à-dire que je vois beaucoup de dirigeants qui disent, on en parle avec le CODIR, machin. Allez, bah, t'es mal barré, mon gars. Mais si t'en parles avec ton CODIR, je vois pas comment le CODIR prendra la décision. C'est-à-dire que moi, ma décision, c'est d'être supprimé le CODIR. Il y en a un qui m'en reparle encore, il me dit, je venais d'arriver de monter au CODIR. Oui, monter. Et un mois plus tard, on dégage le CODIR. Aujourd'hui, c'est une des personnes les plus engagées dans cette entreprise-là, parce qu'il a compris en fait qu'il faisait des tas de choses qu'il ne faisait pas avant et que c'était beaucoup plus intéressant comme ça. Donc le rôle du dirigeant en synthèse, puisqu'il me reste 53 secondes, c'est vraiment de dire comment je prends la décision. Et la réponse, c'est je la prends seule et de façon autocratique. Je ne demande pas, je vais pas essayer de tanner le cul à des managers en disant essaye de changer ta posture, machin, etc. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on change de paradigme. Ça, c'est le dirigeant qui assume ça. Et la deuxième fonction du dirigeant, c'est avoir l'intime conviction qu'il fallait le faire, notamment pour toutes les raisons que je vous ai exposées par rapport au biais de la hiérarchie. Et du coup, quand ça va mal et quand c'est un peu le bazar, se raccrocher à ça en se disant « j'ai eu raison de le faire » et de faire passer cette authenticité auprès des personnes. Parce que quand les personnes sentent que vous êtes sûr de vous, que vous respirez en fait cette confiance en vous,
et que vous, qui sentent l'authenticité que c'est pas de la com ou de la manipulation, alors même s'il n'y a pas de plan, bah, les gens finissent par vous suivre. Voilà. Et ça, c'est les deux fonctions essentielles du dirigeant. Il reste 3 secondes.